19h30. Bastien Carpentier et sa troupe s'improvisent à l'antenne. C'est dans Ça va brader. Tous les samedis sur Radio VL. Booba, surnommé le duc de Boulogne, confirme. Dans un... il fait une annonce moyenâgeuse. Booba, surnommé duc de Boulogne. Oh yeah, oh yeah. Mais si vous m'aviez vu, chers auditeurs, c'est vrai que ça a fait la confusion. Dans un de Booba le magnifique, de très bonne facture, nous sommes un album incroyable. Booba le grand, Booba le terrible. Je croirais dans un banquet. Il y a un côté Moyen-Âge. Je vous présente Booba, duc de Bourgogne. Au nom gros, je pourrais. C'est pas duc de Bourgogne. Oh yeah, oh yeah. Il dit tout le temps Boulbi, Boulogne-Billancourt, c'est duc de Boulogne. C'est duc de Bourgogne. Alors ça va être le titre du prochain replay, Booba, duc de Bourgogne. C'est magnifique. Donc, dans une interview accordée aux Inrock, il explique comment est née cette improbable rencontre entre lui et Christine and the Queen. Nous avons bel et bien enregistré un titre ensemble. Normalement, il sera diffusé lors de la réédition de son album. Entame-t-il avant d'enchaîner, élogieux, je la connaissais pas trop au départ. Il est honnête, Booba. Il dit je la connaissais pas. Et ensuite, le courant est passé, on s'est envoyé des mails, j'ai écouté, j'adore ce qu'elle fait, donc ils ont fait un titre ensemble. Et bien c'est à cette occasion que je vais vous demander, les petits loups, je vous ai préparé une feuille. Je vous ai préparé une feuille avec des punchlines de Booba parce qu'il est très fort pour les punchlines, ça on peut pas lui enlever. Et vous allez tous en rapper deux sur cet instru et on va voir quel rappeur se cache au fond de vous. Alors... Duc de Bourgogne. Ah, nous les escargots. Mais là c'est un chien sans connu, non? Non, c'est pas très connu. Si, c'est Sean Mascaron, ça. Sean Mascaron. Ok, attention. Kevin, je suis un poète, les autres sont cramés. Moi j'ai la prose qui tue. Ils maintiennent l'Afrique affamée pour qu'elle se prostitue sans me substituer. Tellement d'ennemis, si peu d'alliés. Et les seuls qui m'entourent sont pratiquement tout fous alliés. Tout fous alliés. J'ai fait la liaison, c'est Booba quoi, merde. Ok, attention, et à vous Camille. C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance? Ils ont tué le Christ. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son Attention, Svevo, est-ce que vous êtes prêts? Le meilleur rappeador des Italiens français, c'est parti. Attends, mais je fais quoi finalement? Je rêve d'Afrique, comme Jules César. Rêve de Rome. Oh, on dirait qu'il est complètement sous. Délinquant juvénile. Ouais, je suis les fruits de la folie de l'homme. Right. Il l'a dit. C'est ok. C'est juste en dessous. Ah, ok. Et j'ai couru comme un esclave. Pour mâcher comme un roi. Mais il n'y a pas de. Aïe, elle nous faut des bourguignons. Attention maintenant, MC Rémi. Aïe, à l'affût du moindre écu, mon frère. S'il y avait des bites par terre, il y en a qui marcheraient sur le cul. Tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreau. Ouais, c'était pas mal. Pour moi, le meilleur rappeur pour l'instant. À vous, Bastien. Aïe. Allez, allez-y. Improvisez, allez, sans feuille. Improvisez. Yo, bienvenue sur Radio VL, quand on se fait que s'amuser, on se sent pousser des ailes, ça va brader, je vais me mettre à improviser, tous les gars sont chauds, j'ai pas besoin de micro pour faire ma petite impro, yo.